Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des tags spéciaux. Ok, c'est quoi un tag spécial? Bon, attendez, en fait, tout d'abord, je vais faire déjà un peu de ménage. Je vais enlever les paragraphes, je vais enlever tout ça, afin de voir plus clair. Ok. Le premier tag spécial dont j'aimerais vous parler, c'est le tag de commentaire. Comment on écrit un tag de commentaire? Comme ça. Point d'exclamation, deux tirets. Ceci est un commentaire. Et je ferme. J'enregistre et je rafraîchis ma page. Ici, rien n'a changé. Mais dans votre code, il y a bien écrit ceci est un commentaire. Okay? À quoi ça sert un commentaire? Ça sert à vous laisser à vous-même ou à d'autres personnes des annotations qui vont vous permettre de, je sais rien, moi, de mieux comprendre votre code. Okay? Donc voilà pour ce qui est du commentaire. Un autre tag spécial dont j'aimerais parler avec vous, c'est le tag. Vous savez quoi? On va écrire un très long paragraphe. Ceci est un long paragraphe dans lequel je vais vous raconter toute ma vie. Ok. Tout d'abord, virgule, je m'appelle John. Voilà. C'est mon paragraphe. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vraiment vous raconter toute ma vie, on va s'arrêter là. Je rafraîchis, voici mon long paragraphe. Bon, il n'est pas si long que ça au final. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est le tag qui s'appelle line break. Ça veut dire de saut à la ligne. Vous voyez, imaginez qu'après le point là, de toute ma vie, je veux que le texte ici, il vienne à la ligne. Donc je vais utiliser un tag qui s'appelle line break. Et comment on l'écrit? En écrivant br. Ok. Maintenant, il s'agit d'un tag qui n'a pas de tag de fermeture. Ok. Il n'a pas de contenu tout simplement. Donc, vous écrivez juste br avec le crochet de début et le crochet de fin, et ça va suffire. Vous voyez, maintenant, j'enregistre et je rafraîchis, et paf, le tout d'abord, je m'appelle John, est venu se mettre à la ligne. Ok. Maintenant, on peut utiliser plusieurs br. Imaginez que vous voulez faire plus d'espace encore. Vous pouvez en mettre trois, par exemple. Voilà, et maintenant il y aura trois sauts à la ligne ici, entre ça et ça. Okay? Donc voilà pour les tags spéciaux du commentaire et du line break.